Dutch. Dutch van der Leyen. Il est né en 1855 d'une mère anglaise nommée Greta et d'un père néerlandais. Le lieu pour l'instant de la naissance du petit Dutch reste inexact, mais il semble qu'il soit a priori né du côté de Philadelphie. Le père de Dutch malheureusement mourra pendant la guerre de sécession alors que Dutch n'était âgé que d'une dizaine d'années. À l'âge de 15 ans seulement, il décide de quitter le foyer familial en raison des nombreux désaccords et du fait qu'il n'obéit pas du tout à sa mère. Le petit Dutch commence déjà à vouloir obéir qu'à lui-même et en ses propres principes. Sa mère Greta, quant à elle, décède malheureusement en 1881 et le joueur pourra d'ailleurs retrouver sa tombe au cimetière de Blackwater. Dutch, quant à lui, ne sera au courant que des années plus tard du décès de sa mère. Dutch commence alors à entreprendre une vie libre et indépendante. Il commence alors à devenir un criminel en 1870 suite à la rencontre de Hosea Matthew, avec qui il va s'allier pour enfin commencer à créer le gang de Dutch van der Leyen. Quelques temps plus tard, les deux hommes se font prendre à la suite d'une escroquerie qui a pourtant fonctionné mais qui a dans le fond quand même mal tourné. Ils sont alors tous les deux placés en prison, mais suite à une évasion qui fonctionne avec succès, ils s'évadent le 9 mars 1877. Plus tard, dans cette même année de 1877, il va rencontrer un orphelin s'appelant Arthur Morgan, qu'il va donc décider de prendre sous son aile. Il va lui apprendre à lire, à écrire, la chasse, à tirer avec une arme, à monter à cheval, et Arthur Morgan devient ainsi la première recrue officielle du gang de Dutch van der Leyen. Dutch va ensuite commencer une histoire d'amour avec une certaine femme qui s'appelle Suzanne Grimshaw, qui à son tour va rejoindre du coup le gang de Dutch pour former une nouvelle recrue au sein même du gang. Mais comme Dutch est un grand lover et que son histoire d'amour avec Suzanne ne va pas durer longtemps, il va éperdument tomber amoureux d'une certaine Annabelle. La bande s'associe alors avec d'autres hors-la-loi, les O'Driscoll, mais les choses tournent très mal, quand Dutch va donc décider de tuer le frère de Colm, et pour se venger, celui-ci assassina du coup la belle Annabelle, ce qui va déclencher une haine profonde entre les deux hommes. En 1885, Dutch tombe alors sur un enfant âgé seulement de 12 ans qu'il va ensuite prendre sous son aile et élever complètement comme il l'a fait avec Arthur Morgan. Cet enfant, il s'appelle John Marston. Il est seulement âgé de 12 ans et Dutch va le prendre sous son aile pour faire exactement la même chose qu'il a fait avec Arthur Morgan, c'est-à-dire lui apprendre à lire, à écrire et à faire toutes ces choses qui va faire de lui un homme. Par la suite, en 1893, ce sera le vétéran Bill Williamson qui va rejoindre le gang. Nous avons ensuite, en 1894, une prostituée nommée Abigail Robert qui va rejoindre le gang. Nous avons en 1895, Javier Esquala qui va rejoindre le gang. Et par la suite, en 1899, tous les autres membres qui vont par la suite rejoindre le gang que vous connaissez déjà. Débute alors maintenant le chapitre 1, Colter. Quant à nous maintenant, on fait un bond dans le temps pour arriver à la fin de Red Dead Redemption 2. C'est entre 1907 et 1911 que Dutch forme à nouveau le gang de Dutch. On est actuellement dans Red Dead Redemption, paru en 2010. Après avoir tué Bill et Javier, John est presque arrivé au bout de sa rédemption. Il ne lui manque plus que le grand Dutch pour enfin peut-être se racheter aux yeux de l'État. Alors que Dutch est presque aux mains de John dans la ville de Blackwater, il prend donc une fillette en otage et va donc s'en servir pour s'échapper, et malheureusement, il tua de sang-froid la fillette. Mais la prochaine sera la bonne, dans les hauteurs de Talchwis, là où Dutch a établi son camp, John va une nouvelle fois de plus rattraper celui qui lui a enseigné à être le cow-boy qu'il est devenu. Après une longue course-poursuite entre les deux hommes, Dutch est maintenant pris au piège au bord d'une falaise. Mais Dutch va décider de partir comme il s'est éduqué, seul. Il va se laisser alors tomber dans le vide et meurt d'une chute fatale. Dans le fond, c'était peut-être ça le plan de Dutch, de ne jamais se faire attraper et de mettre fin lui-même à sa propre légende. Et pour une fois, on peut le dire, son plan a fonctionné.